Comment tu le vis, toi, tout ça aujourd'hui? Ça, c'est récent, ça s'est passé il y a 4 semaines, hein? Bah, c'est plus une vie. Elle a changé votre vie depuis? Bah oui. Elle a changé comment? Bah, je sors plus dehors. Je fais plus de moto, je fais plus de vélo. T'as peur? Oui. T'as peur de quoi? Qu'ils reviennent. Ok, t'as peur d'eux? Oui. J'ai pris environ une vingtaine de coups de batte de baseball, 7 coups de couteau au niveau de la tête, au niveau du, on peut dire jusqu'à au niveau de l'abdomen, dans le dos, des coups. Voilà. J'ai dit à ma femme, prends le fusil et tire. Et bonjour Sam, je suis avec toi pour discuter de l'agression qui est passée à mon domicile il y a environ un mois. Une agression au couteau et à batte de baseball au vu de ma fille. Une agression très très forte. Bonjour Olivier, je te remercie d'être aux côtés de ma communauté et de moi-même pour nous partager ton histoire. Une histoire très particulière, une histoire qui fait froid dans le dos et qui marque ta famille et qui marquera certainement ta famille pendant un long moment. Il y a eu une décision de justice qui a été prise, une décision qui ne te convient pas. Les agresseurs ont été condamnés, si je ne me trompe pas, à 1 an de prison avec sursis, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas de prison. Ta fille était Non. témoin? Oui, ma fille était témoin. Nina, c'est ça? Nina, elle était à mes côtés pendant toute l'agression. Voilà. Tu vas pouvoir nous expliquer et pourquoi tu as un sentiment également d'injustice aujourd'hui. Dans un premier temps, Olivier, quel âge tu as? Tu fais quoi dans la vie? Enfin, tu faisais quoi? Parce que malheureusement, tu ne peux plus Non. travailler pour l'instant. J'ai 48 ans. Je suis artisan à mon compte, en auto-entrepreneur dans le ramonage de cheminées et dans le bâtiment. À l'heure actuelle, ça fait un mois que j'ai plus la force et plus le. Et même, je suis touché quand même, physiquement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel jour ça s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais avant que ça arrive? Tu t'en souviens? Oui, je sortais du bain et on attendait un dessin animé pour ma fille, Nina. Ok, il était quelle heure? Un peu avant 21 h. D'accord. Oui. Ça a toqué à la porte. Un jeune homme, moi je le prenais très jeune, il m'a dit qu'il était tombé en panne d'essence et si je pouvais lui dépanner un peu d'essence. Et vu l'heure et vu sa jeunesse, je lui ai dit oui. J'ai dit je peux te dépanner. Je me suis rentré dans la maison, j'ai dit à mes filles, à ma femme que. Oh, c'est bon, c'est un petit jeune qui est tombé en panne d'essence, il veut un peu d'essence, je lui en redonne. Je suis sorti avec Nina parce qu'on a deux petits chiens qui sont sortis en même temps. Nina, elle est sortie avec Nina, c'est ta fille. ma fille. Et il y avait un seul individu, je lui cherche un bidon d'essence. Et au moment que je lui tends le bidon d'essence, j'entends crier Nina, attention papa. Et j'ai deux personnes cagoulées, dont une qui vient vers moi. Me plaque direction la porte d'entrée et des coups commencent à pleuvoir. Des coups de batte de baseball, des coups de, je sais pas, Des moi, coups de couteau? couteau. C'est ça qui t'ont fait au visage? Tout au niveau de la tête, au bras, oui, plusieurs coups de couteau. Mais c'est qu'ils auraient pu te crever l'œil. Je suis passé très très juste, hein, 1 mm de l'œil, hein, je suis, hein. C'est les médecins qui m'ont expliqué ça. C'est quoi, c'est un homicide volontaire, une tentative d'homicide volontaire? Non, et ça n'a pas été passé comme ça du tout. Et normalement, ça devrait. Hein. Des coups de couteau au niveau de la tête, c'est une tentative d'homicide quand même. La justice, voilà, Elle en a décidé elle a autrement, on en décidé parlera autrement, oui. dans un second temps. Toi, tu t'attends à rien du tout, donc tu vois ce jeune, tu es là pour lui venir en aide, Oui. c'est ça. Oui. Ta fille les voit arriver, donc les deux hommes cagoulés. Oui. C'est la première chose, du moins c'est son cri qui m'a. Elle m'a effrayé quand elle m'a dit attention papa, le temps que je tourne, il y avait déjà cette personne cagoulée sur moi. Et oui, j'ai pas eu. Je me suis fait prendre de court. Hein. Du moins,
humain, je suis pas sorti pour dépanner, je suis pas. Voilà. Donc ça veut dire que le jeune homme qui te demande de l'aide, a priori, de prime abord, qui te demande de le dépanner d'essence, est complice. Ah oui, tout On à est fait. d'accord. Il m'a fait sortir dehors. Le but était de te faire sortir de ton habitat. Je pense, oui, c'était leur but. Parce que dans la maison, oui, je pense, ils connaissent pas la maison, alors ils ont dû essayer de me faire sortir dehors. Je suis pas dans leur tête. Mais c'est ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, c'est mettre des coups de couteau, parce que il n'y a pas eu aucun mot de leur part. C'était hyper brutal, les coups. Ils ne t'ont pas parlé. Ah, pas un mot. Encore maintenant, j'attends, j'aimerais bien savoir pourquoi, le pourquoi. Tu te dis quoi, toi, à ce moment-là? Est-ce que tu as le temps de réaliser ce qui t'arrive? Non, la seule chose, qu'est-ce qui me. Non, j'ai pas eu le temps de réaliser du tout. C'est la peur que j'ai ressentie que ma fille avait à ma droite. J'ai senti sa peur Donc en tu penses à moi. ta fille à ce moment-là? Ah, il n'y avait que eux et à ma fille qui était dans la maison et ma femme. Oui. Mon but, un, c'était de rentrer ma fille et de protéger ma fille. Donc tu avais peur qu'ils s'en prennent à ta Ah oui, femme, à tes à enfants. mes enfants. Hein. J'ai vu ma fille courir dans la cour, se taper contre mon camion de peur. Et on aurait dit un petit lapin qui courait, qui était en panique. Et moi, j'ai pris. Pendant ce temps, je prenais des coups. J'essayais de me défendre, mais j'ai pris tellement de coups, je ne savais plus, ça pleuvait de coups. Tu penses qu'ils voulaient te tuer? Oh, s'ils auraient pu. Du moins, vu les coups de couteau qu'ils m'ont mis, de toute façon, ils m'ont. On va dire ils m'ont loupé de peu, parce que prendre, poignarder quelqu'un dans la tête, c'est une chance inouïe que je suis encore avec toi pour t'en parler. J'ai eu plusieurs coups au niveau du visage, au niveau de la nuque, des coups au niveau du torse. C'est, oui, on va dire. Ça c'est quoi? Ils ont tenté de te planter Et le là, couteau ici? c'est un couteau, du moins des coups de couteau qui m'a ouvert là. Et c'est arrêté à 1 mm de l'œil. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que S'il m'aurait tapé à 2 cm, il me tapait dans la tempe, le couteau. pour toi, ça tu l'as dit hein, aux autorités, ils voulaient te tuer, t'en es convaincu, ils voulaient te tuer. Moi, je pense qu'il voilà, qu'il voulait. Oui, les autorités, la gendarmerie, c'est ce que je leur ai expliqué. Les gendarmes ont fait un bon travail d'enquêteurs. Très vite, ils les ont Ciblé. ciblés. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, hein, les jeunes, hein, ils ont été filmés. J'ai des caméras de surveillance, il a été filmé pendant qu'il toquait, pendant que je sortais pour lui donner son bidon d'essence. Après, il y a après j'ai pris des coups. On a quelques flashs, quelques photos, mais ils étaient cagoulés, c'était des hommes cagoulés. Sur le coup, c'est. Du moins, personne n'a pense dans sa vie. C'est à la télé qu'on entend ça. J'habite dans un petit village de. Je sais pas s'il y a 1 000 habitants. Oui, pour nous, on était en sûreté chez nous. Ils ont essayé de toucher des zones de ton corps vital comme le cœur. Je ne sais pas s'ils ont visé exprès ou comment. Bah, il y a des zones vitales. Déjà, la tête, c'est vital. Hein. Mais tout est vital. Voilà. Au niveau du torse, j'ai eu de la chance que j'ai juste été un peu coupé. Je pense qu'ils n'ont pas cherché si. Ils ont pas. Ouais. C'était violent. C'était une T'as violence. conscience, toi, du temps qui se passe, de combien de temps ça dure, ou le temps s'arrête à ce moment-là? Ah non, j'ai pas conscience du temps pendant l'acte. J'ai pris conscience du temps quand j'ai regardé les caméras de surveillance le jour après, quand je suis rentré de l'hôpital, qu'on m'a donné les vidéos. On a calculé le temps. Ça a duré 4 minutes, hein, 4 minutes. l'agression dans la cour. 4 minutes de coups. Dans la C'est cour de ton domicile. devant la porte de mon domicile et dans la cour de mon domicile. 4 minutes que j'entendais ma fille hurler, que j'arrivais pas. Je pouvais pas rien faire. Je ne pouvais pas l'aider plus. Est-ce que ta femme a été alertée, ton autre enfant qui était à l'intérieur de la Non, maison? ils étaient dans la maison, mais ma fille et ma femme, ils étaient dans la salle de bain. Je suis en train de construire cette maison, elle est toute neuve pour nous. Et non, on n'entend rien de dehors.
Rien du tout. Elle ne pouvait pas entendre les cris. J'ai crié, j'ai appelé, mais après, je sais, ouais, ils n'ont pas entendu sur le coup. Avant qu'on parle du profil de tes agresseurs, de la décision de justice qui a été prise et de ta reconstruction ainsi que celle de ta famille, je te propose, parce que pour toi c'était important hein, de donner la parole aussi à ta fille. Tu me disais, on a parlé avec des psys, les psys nous ont expliqué, c'est ça, hein, que c'est important de verbaliser, que peut-être ça lui ferait du bien parce que tu la vois changer depuis ta petite. C'est plus Manina. C'était une fille qui restait dehors hein, jusqu'au soir. Elle joue au trampoline à 9 h du soir. Elle veut plus aller dans le village. Elle veut plus. Enfin, elle fait plus rien. Elle est assise devant sa télé. Elle dessine. Ouais, mais c'est plus la Nina qui se promenait en moto, qui se faisait du vélo, qui fallait presque crier pour qu'elle rentre le soir. Là, avant que la nuit tombe, elle a déjà peur. On lui propose de nous rejoindre? Si elle Tu nous veut. rejoins, Nina, tu veux? Oui. Allez, viens, t'es la bienvenue. Merci. T'as quel âge, Nina? J'ai 11 ans. T'as 11 ans, ok. Ça te fait quoi d'entendre ton papa aujourd'hui raconter ce qui est arrivé et parler de toi aussi, parce que tu l'as vécu, cette scène? Ça me fait bizarre de l'entendre parler comme De tout ça, ça? ouais. Comment tu le vis, toi, tout ça aujourd'hui? Ça, c'est récent, ça s'est passé il y a 4 semaines, hein? C'est plus une vie. Elle a changé votre vie depuis? Bah oui. Elle a changé comment? Je sors plus dehors. Je fais plus de moto, je fais plus de vélo. T'as peur? Oui. T'as peur de quoi? Qu'ils reviennent. Ok, t'as peur d'eux, Oui. spécifiquement. Tu te souviens de comment ça s'est passé? T'étais avec ton papa? Oui. Il m'avait demandé de mettre le flash pour l'illuminer pour mettre le gasoil et ça s'est passé. C'est toi qui as vu donc ces personnes, ces agresseurs arriver sur ton papa? T'as tout de suite compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas? Oui. C'est pour ça que t'as crié pour le prévenir? Oui. Ok. Et comment t'as réagi? J'ai eu très peur. Oui. Très peur. Il dit ton papa qui t'a vu courir. Ouais. Ouais. C'était une façon pour toi d'extérioriser toute la peur que tu avais. Tu peux parler à quelqu'un? Tu vois quelqu'un qui un psy? Oui, je vois un psy. Ouais. Tu es en confiance, tout va bien? Oui. Ouais. Tu sens que tu as besoin de parler? Oui. Ouais. Et comment ça se passe avec ta famille? Comment va la famille aujourd'hui? Ils ont peur aussi. Ils ont aussi peur et tout. Du coup, on sort plus trop dehors. Avant, on se promenait, mais on se promène plus. De ton jeune âge, t'as 11 ans, Mmh. qu'est-ce que tu penses de des personnes qui font des trucs comme ça? Ça se fait pas, quoi. Parce que ils viennent chez nous et ils toquent à la porte pour demander de l'essence et ils font ça. C'est pas honnête. Mmh. Aujourd'hui, toi, t'arrives à retrouver un peu le sourire? Un petit peu. Un peu. Tu sais que tu vas vivre avec ça, parce que les images, tu les as vues. Oui. Mais l'idée, c'est de les dédramatiser peut-être un Ouais. peu dans le temps. Hein, et de te faire comprendre, mais ça, c'est le travail du psy, je pense que c'est un événement catastrophique, dramatique, tragique, précis. Que la peur, elle est normale, le sentiment de peur, il est normal pour tout le monde. Hein. Ah oui. Voilà. Mais que ça va s'atténuer. Avec le temps. Ok? Elle a toujours peur, hein. Elle a même peur quand quelqu'un toque à la porte à l'heure actuelle. Je l'ai vu, hein. Toquer à la porte, je crois que c'est la pire des choses qui tu peux lui faire à l'heure actuelle. Parce que ça doit lui remettre. T'as fait une association, t'as associé ce moment qui était Normal. dramatique à des événements anodins de la vie de tous les Oui, jours. voilà. Oui. C'est ça en fait. C'est normal. C'est normal. Je te remercie, Nina. De rien. Merci beaucoup. Tu peux retourner là-bas si tu veux.
Qu'est-ce que vous lui dites avec ta femme et entre vous-même au sein de la famille? Est-ce que vous en parlez? Vous en faites pas un sujet tabou? Vous arrivez à communiquer sur ce qui s'est passé? On en parle, moi j'en parle beaucoup pour la, pour déjà la déculpabiliser, parce que la, ma famille, ils ont pris un peu culpabilité de ne pas avoir entendu le moment pour m'aider. D'un côté, moi je suis presque heureux maintenant à l'heure actuelle qu'ils n'ont pas écouté, parce que je ne sais pas comment ça aurait pu passer. Ils auraient pu prendre autant de coups que moi j'en ai pris. J'ai déjà eu du mal à tenir debout et à rester debout pour pouvoir ramener Nina à l'intérieur de la maison. C'était mon but, hein. C'était de plutôt y rester, mais ma fille, il fallait que je la protège. Comment ils s'arrêtent? Comment ils arrêtent de te frapper? Comment ils arrêtent de te ruer de coups de couteau? Ils n'arrêtent pas jusqu'à la dernière seconde. Le dernier coup, c'est dans l'épaule au moment où je me retourne pour rentrer ma fille dans la maison. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils soient en train de te tabasser à coups de couteau, tu essaies de ramener ta fille? Ah oui, j'ai ramené. Mais ils te poursuivent donc? Mais ils sont sur moi toujours. Toujours. Je ne sais pas comment elle a fait. D'un coup, je l'ai senti vers moi. Je ne peux pas te dire ça. Je suis arrivé comme si c'était autour de moi. Je voyais, c'était blanc, c'était... J'entendais plus que les bruits. J'avais plus... Et je sais pas, je l'ai senti, c'est peut-être que c'est ma fille. Je l'ai senti qu'elle était proche de moi. Et je sais pas où j'ai trouvé cette force. Je suis arrivé à reculer jusqu'à la porte, à saisir la poignée. Pour lui ouvrir la porte. Pour lui ouvrir la porte. Je l'ai poussé à l'intérieur. Et je me suis retourné, il continue à me taper, hein, c'est les derniers coups que j'ai pris très puissants sur la tête, à l'arrière et tout. Et j'ai senti la pénétration dans l'épaule du couteau au moment où je voulais fermer la porte d'entrée. Ils ont encore essayé de pousser une ou deux fois la porte. Et à ce moment-là, j'ai ma fille et ma plus grande des filles, Anaïs, qui est sortie de la salle de bain, m'a aidé à pousser la porte de la maison pour la fermer. Et là, j'ai dit à ma femme, prends le fusil et tire. Et ils sont partis. Elle a tiré? Non, elle a... on n'avait pas de fusil. Ah, c'était pour leur faire peur? Ouais, et non, il n'y avait pas d'armes. Et ils sont partis. Vous appelez la police? Aussi sec qu'ils appellent, du moins moi pas. Hein. Moi, au moment où je suis rentré dans la maison, il faut savoir que j'ai perdu, vu les pompiers, ils m'ont dit, les SAMU, entre 1 litre et 2 litres de sang. Quand j'étais dans la maison, je me suis assis au sol. Je me rappelle de tout, hein. Je suis resté conscient, parce que je suis le seul homme. Hein. Et j'ai avec mes filles autour et ma femme. Et oui, je... J'ai attendu, les gendarmes sont venus, du moins non, les pompiers sont arrivés et les gendarmes derrière. Rapidement? Oui, rapidement. Je trouvais long, mais c'est rapide. Parce que après, j'ai vu qu'en moins de 15 minutes, les pompiers étaient là. Quel âge avaient ces agresseurs? Donc, ils étaient trois? Très jeunes. Moi, le premier, qui n'était pas cagoulé, le petit jeune qui a tapé à la porte, je lui donnais entre 16 et 20 ans. Il devait avoir 18. 19 ans, quelque chose comme ça. Mais par la suite, il y a eu l'enquête, donc tu as dit, la police a retrouvé les individus, donc les profils. Donc ils avaient quel âge, quel était leur profil? Des jeunes, 18 ans, 21, 22 ans, et le plus grand, je sais même, 24, 23, 24 ans. Ouais, très jeune. Ok. Tu les connaissais? Un des agresseurs, je les connaissais, mais je ne l'ai pas reconnu qu'il était derrière la cagoule. Quand les gendarmes m'ont donné les noms, oui, c'est un jeune du village. Du village où tu habites? Oui, du village. Ses parents habitent dans le village. Lui aussi. Et que tu connaissais parce qu'il habitait dans le village, ou tu t'avais déjà parlé avec lui, ou en oui, de ta famille? On connaît sa famille, on connaît le jeune. Et pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir participé à cette agression si vous le connaissiez? Quel était son mobile? Pour nous, pour moi, parce que je n'ai jamais eu plus de réponses.
J'ai eu un problème avec ces gens-là il y a 2 ans. J'ai été incarcéré pendant 18 mois pour une erreur que j'ai faite. Je suis allé chez eux et ça s'est mal passé. Du moins, c'était déjà eux qui m'avaient cherché. J'ai pété un plomb et j'étais là-bas. En repartant, ils m'ont lâché un chien sur moi et je ne me suis pas arrêté. J'ai percuté le chien avec la voiture. Et le chien est mort? Le chien est mort. J'ai pris 18 mois de prison ferme. Avec mes prisons fermes, ça veut dire que je suis arrivé. C'est moi qui ai téléphoné aux gendarmes le jour-là hein, pour leur dire ce qui s'est passé. D'accord. Oui, ils m'ont mis en garde à vue et 3 jours après, je suis rentré en prison avec 18 mois ferme. Ah, donc tu avais fait 18 mois Hein. ferme. Et c'était pour quel motif ces 18 mois ferme? Ouais. La mort du chien, l'agression et surtout la mort du chien. Oui, j'ai tué un chien sur la route. Ok, et ils Mais estimaient que c'était volontaire? eux l'ont estimé volontaire, mais de toute façon, je n'avais pas le choix. C'était où moi, du moins dans le cas, je voulais pas tuer le chien, je voulais faire de mal à personne, je voulais juste reprendre la fuite. C'est eux qui ont envoyé le chien, ils étaient déjà à 10, hein. J'avais pris un coup de couteau dans l'épaule par un des individus déjà, Ce jour-là? le jour-là, dans l'épaule gauche, par un des individus, et voilà. Où on pense que c'est une représailles, due à la mort du chien, ouais, du moins moi. Ma famille pense que c'est ça. Vous pensez que c'est une vendetta? Ah, moi, je pense que tout à fait, ouais, oui. Et le milieu actuel où on vit, dommage pour la France, mais de pire en pire, ça existe, hein, des choses comme ça. Ces jeunes, oui. Il n'y a pas de. Oui, c'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Et t'as été en contact avec eux depuis cette agression ou pas du tout? Ah non, non, je ne suis pas du tout en contact avec eux. Non. Aucun contact et j'en voudrais pas de contact. Ce que j'aimerais savoir vraiment, c'est pourquoi. Mais on ne le saura plus jamais parce que le tribunal les a condamnés à une peine de 1 an avec sursis et 1 an de prison et dont 6 mois, mais qu'ils feront jamais, hein. Ils iront jamais en prison. Hein. Non, parce que c'est 1 an avec sursis, c'est ça? Ouais, c'est. 1 an avec sursis, ça veut dire qu'ils vont pas en prison, c'est Non, pas de ils la vont prison pas. ferme. Ouais, c'est une tape sur les mains par rapport à l'acte de violence qu'ils ont fait. En gros, ça veut dire si vous recommencez dans ce laps de temps, pendant ces 1 an, c'est prison directe, c'est ça? Ah oui, mais il faut qu'ils recommencent. C'est un peu dans les journaux, c'est décrit comme ça. Ça veut dire on leur a laissé une chance. La prochaine fois qu'ils viennent poignarder quelqu'un, ça veut dire on attend une prochaine fois. Est-ce qu'il y a eu une injonction d'éloignement? Non, ils sont chez eux, à hein, domicile, hein, ce que j'ai compris. Hein, Mais vous concernant, ils ont le droit de Ah non, ils s'approcher n'ont de pas le vous? droit de m'approcher. Mais on va dire, on habite dans une petite bourgade. Les 3 individus habitent à 1 kilomètre, même pas de la maison. Et les autres à 15 kilomètres. Voilà. Les autres, je ne sais même pas, les 2 personnes qui m'ont, du moins celui-là qui a toqué. Et une des personnes cagoulées, je ne sais même pas s'ils me connaissaient, s'ils savaient qui j'étais. Je pense que c'est un. Ouais, c'est un. Je ne sais pas. On ne peut pas dire. On ne peut que imaginer qu'un a poussé l'autre. Ouais. L'effet de groupe et de violence. Et il y a eu un procès? Comment ça s'est passé? C'était au tribunal? C'est allé au tribunal, ils les ont, parce qu'ils ont assumé leurs actes, hein, les jeunes, ils ont dit que bien que c'était eux. Ok. Après l'accident, après l'accident, c'est pas un accident, Après l'agression. après l'agression, ils ont dit que c'était eux. Mais pareil, moi j'ai jamais été confronté à eux, hein, on m'a jamais laissé cette chance d'être confronté à eux. On m'a jamais laissé la chance de les voir au tribunal, parce que moi je dis c'est, j'aurais bien voulu aller devant eux. Leur poser la question pourquoi? Parce qu'ils ont vu Nina. Il était dehors, le jeune, avec elle, pendant 2 minutes presque seul, le temps que j'aille. Il a discuté, il lui a fait rentrer les chiens. Quand tu vois une chose comme ça et que tu as un enfant, part, laisse tout simplement tomber une opération comme il voulait faire, c'est pas une opération, c'est une tuerie qu'il voulait faire. Ils n'ont pas. C'est pas des hommes, hein. Ils ont pas. Non, voilà, c'est tout. Hein. Ils respectent pas l'humain. Voilà. Voilà Et l'erreur. comment ça a été statué ce 1 an de prison avec sursis pour ces 3 agresseurs?
Et comme ils ont reconnu coupable, hein, c'est une procédure judiciaire maintenant, quand on reconnaît coupable, on leur donne une peine. Et s'ils l'acceptent, s'ils sont d'accord, ils signent la peine et rentrent chez eux à la maison, et voilà. Et Et toi, t'as le droit de pas être d'accord en tant que victime? non, on ne peut plus. On... Par rapport à, aux décisions là, on ne peut pas faire appel sur les décisions de. Parce qu'ils sont CRPS, je sais pas comment. C'est, ils ont reconnu leur culpabilité, en fait. D'accord, ils ont tout Voilà. reconnu. Ils ont tout reconnu. Tout simplement, ils le disent, hein, qu'ils sont venus chercher de l'essence, qu'ils m'ont mis des coups de couteau et des coups de batte de baseball. Comme si c'était tout à fait normal, comme si tu allais boire un café Mais la ou. question leur a été forcément posée, que ce soit pendant les interrogatoires du commissariat ou la personne en charge de juger cette affaire, ils leur ont forcément demandé pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous attaqué à ce monsieur? Pourquoi vous êtes-vous attaqué à cette famille? Pourquoi avoir utilisé des armes blanches? Pourquoi lui avoir mis tous ces coups qui auraient pu le tuer? Et pourtant, depuis le début de cette interview, tu sembles même toi pas savoir véritablement, puisque tu ne peux faire que des suppositions. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu aux autorités? Ah, j'ai aucune information. Je pense que. Ah, je ne sais pas si ça a été même posé. Je n'ai pas les interrogatoires. Hein. On ne peut pas les avoir. Hein. Je suis victime. Mais parce que justement, en tant que victime de cette agression, tu dois avoir, je le comprends, ça, tu dois avoir envie de savoir, Et bien sûr. de façon un peu plus factuelle. C'est un peu pour ça, Sam, que je suis là. C'était pour faire comprendre à la justice que la victime aurait à savoir, même si on m'a soulevé, parce que vu l'agression, c'est on m'a sous-estimé, on n'est pas humain. J'ai pris 18 mois pour un chien. Ça veut dire un homme vaut moins presque qu'un chien. C'est un peu. Tu ressens une injustice par rapport à ça? Ah, mais complète dans toute ma famille. Tous mes proches, même mes clients ne comprennent pas où je vais. On me pose la question, on me soutient où je vais, partout. Mais là, l'histoire, elle est très connue chez nous maintenant. Et oui, c'est une forme d'injustice. Je pense qu'il y a une forme d'injustice quand même. Du moins, au fond de moi, c'est injuste. Des T'es gens qui. suivi aussi, toi, Olivier? On disait, ta petite Nina, elle est Ouais. suivie par un psy. Toi aussi, tu vois quelqu'un? Ah ouais, je vois une psy, ouais. Heureusement, je pense, parce que ouais, j'ai la rage. Je vis très mal, hein. Je le vis pas très mal déjà pour moi. Et le pire, c'est l'acte qu'ils ont fait à ma fille. Sans la toucher, ils lui ont fait tellement de mal. Et elle a 11 ans, hein. C'est un enfant. Ouais, voilà. Hein. On vit en France, hein, on est dans un pays où on est libre, une justice. Par rapport à une fille de 11 ans, la justice, c'est pas logique pour elle. 3 jours après, le jeune remarche dans le même village, c'est immoral pour un enfant. Tu vois des médecins aussi par rapport aux blessures Ah. qui subsistent? J'en ai encore plein à voir. La pire des choses que j'ai, c'est depuis cette agression, j'ai la tête qui siffle. Du matin au soir, je ferme les yeux, ça siffle, ça siffle, ça siffle. Au niveau de l'oreille, au niveau de la tête. Ouais. Ah, ils m'ont bien marqué. Physiquement, ils m'ont. Ouais, ils m'ont. Ouais, ils m'ont baissé là. T'as été reconnu en incapacité de travailler? Ah, pour l'instant, le médecin légiste au départ, hein, m'a mis 17 jours ou 15 jours de d'ITT? ITT. Je suis toujours en arrêt de maladie. Même les visites médicales n'ont même pas encore terminé. Hein. J'ai des scanners jusqu'au mois 20 décembre, au niveau du cerveau, des yeux, de la tête. J'ai pris environ une vingtaine de coups de batte de baseball, 7 coups de couteau au niveau de la tête. Au niveau du, on peut dire jusqu'à au niveau de l'abdomen, dans le dos, des coups. Voilà. Je suis heureux d'être là encore. Là, il faut laisser. Parce que ça aurait pu être dramatique. Un acte comme ça,
pense que, ouais, je remercie les dieux. Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui, Olivier, pour toi, pour ta famille? Quel est le message que tu aimerais faire passer? Le message? J'aimerais passer un message, et c'est même pas un message, j'aimerais faire comprendre à la justice française et au gouvernement que tous ces jeunes, toute la délinquance qu'il y a à l'heure actuelle en France, hein, si on ne punit pas correctement l'acte, hein, on provoque la continuité de cette horreur. Et on le voit tous les jours, hein, dans progresser, hein, 950 000 actes de violence en France dans cette année, je trouve ça énorme. Hein. Après, impuni ou pas puni, ouais, il y a plus de... Il faut mettre un bon milieu. Mais je te souhaite de te reconstruire, ta famille et toi-même, d'aller jusqu'au bout. De toute façon, tu n'as pas le choix des rendez-vous médicaux, parce que ça, c'est pour toi. Et puis, le plus important, ça va être la reconstruction et l'acceptation. Oui, parce ça. Que face à une situation comme ça, quand on n'a pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter, oui, que d'accueillir, que de digérer et de tout faire pour que vous puissiez avancer au mieux tous ensemble. Oui. Olivier, je te remercie pour ce témoignage. J'espère que ça va aller. Tu n'hésiteras pas à me donner des nouvelles pour la suite. Et nous, on se retrouve prochainement avec un nouveau témoignage. D'ici là, prenez soin de vous.